Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto spécial Pâques. On va faire un lapin de Pâques en tuto. Pour ce tuto, il nous faudra de la fimo blanche, de la fimo violet, de la fimo noire, de la fimo verte, de la fimo orange, de la rouge, de la fimo marron et de la beige. On commence par prendre de la fimo blanche. On en prend une plus grande quantité parce que c'est le corps de notre lapin. On malaxe notre pâte. On prend un bout, on fait un cône. Pour le corps de notre lapin. C'est le bras de notre lapin. Place notre bras. On fait deux petits traits. On prend notre pâte violette. On enlève les petits bras. Faire son petit corps. Son petit habit violet. On étale une pâte violet. Comme pour les jambes. Assez fin.
Faites deux petites bretelles. Et on les assemble. Fais les pattes de notre lapin. Fais ces gros boudins. Deuxième pied de notre lapin. On met les bras de notre lapin. On prend notre petite orange. Une toute petite boule, on va faire. Rikiki. Qu'on va disposer sur le fait ici. On fait la tête de notre lapin. On prend un clou, on l'enfonce dedans. Là aussi, avant de déformer notre tête. On creuse pour notre petite oreille de lapin. Ceci. Fait pareil pour la deuxième. On coupe le tout petit bout de notre oreille, comme ceci. On l'enfile sur notre lapin. On prend notre fimo beige professionnel.
On prend notre outil. Fait des petits points. 1, 2, 3 sur le haut. Oui, bah. Cette couleur. On prend notre fimo rose. Fait un petit triangle. Tout petit. Prends deux petits morceaux de noir sur notre. On le met sur notre lapin. On fait pareil pour la pépille, sauf en tout plus petit, encore plus petit, en blanc. Donc on prend une plus petite boule blanche. On le met sur notre petit lapin, sur le côté, là. Et là, on prend une boule de notre fimo beige, on l'écrase, on la dispose sur notre petit pied. Et on va faire trois petites boules qu'on va écraser pour les mettre sur chaque patte. On met de la fimo beige sur les oreilles de notre lapin. On n'a plus qu'à mettre la tête de notre lapin. À l'assemblée, et notre lapin est fini. On n'a plus qu'à faire son petit panier maintenant. Prendre de la fimo marron. Tout petit soc, on va dire ça. On va faire un long, 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 très fin ligne. Après avoir fait notre long fil, on va faire le tour en s'agrandissant. C'est profond, mais c'est plus serré et en faisant plus large. Après avoir fini notre petit panier, ce que ça donne, on fait la petite lance, c'est très facile. On tourne comme ceci.
coupe l'excédent. On l'accroche à notre panier. On l'accroche aussi à notre lapin. On fait les petits œufs. On n'a plus qu'à prendre une boule et on fait un petit, tout petit, un petit peu plus pointu ici. Et la puce. Et on dispose.